Ainsi, en Normandie, dans le Calvados, des débordements ont déjà été constatés, notamment à Pau. L'évêque et le maire a décidé la fermeture, à titre préventif, des établissements scolaires pour l'après-midi. Compte tenu de l'état de saturation des sols, de nouvelles hausses des niveaux sont attendues, et d'importants débordements pourront avoir lieu, dans les zones en alerte orange, ajoutait-il. Risque maximal d'avalanche en Haute-Savoie. Les avalanches concernent l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Météo France évoque une forte activité avalancheuse attendue au cours des 12 prochaines heures, qui est observée en moyenne une fois, tous les deux ou trois hivers, dans les massifs les plus concernés. Plus d'un mètre de neige s'est ajouté par endroit à des cumuls déjà conséquents. Le risque d'avalanche est maximal, 5 sur 5, en Haute-Savoie sur Mont-Blanc, à Ravis et Chablais, en Savoie sur Beaufortin, Vanoise, Haute-Tarentaise, de 4 sur 5 en Savoie sur Maurienne et Haute-Maurienne, et en Isère sur Belledonne, Grande-Rousse et Oisans.